les gars, c'est Susuk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On se retrouve pour faire le nouveau boss rush qui vient tout juste d'arriver avec la nouvelle mise à jour ainsi que le portail de Gatai et de Trunks. D'ailleurs, s'en suivra une vidéo invocation ou alors la vidéo invocation sortira avant cette vidéo, je ne sais pas. Concernant les deux nouveaux personnages, évidemment. Et donc, du coup, on va tester ce nouveau boss rush. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. J'ai décidé de partir en team Gogeta, en team Fusion, voilà, on va voir ce que ça donne, s'il va être compliqué ou pas. J'ai même pas regardé quel boss il y avait dans ce nouveau boss rush. Je sais a priori qu'on va récupérer 35 Dragonstone à la fin du run, et donc du coup moi j'en ai besoin pour qu'on fasse 150 DS, et que du coup derrière ça puisse faire 3 multi et une offerte sur le portail de Gatai. Donc du coup on est parti, on y va, et on va voir ce que ça donne. Alors ça fait long qu'il n'y a pas eu de vidéo gameplay hors évidemment Random Rush sur Dokkan Battle et quelques petits tests par-ci par-là. Alors du coup j'ai même pas regardé, tiens, il y a un Mirai Gohan ici, il y a Gogeta ou Goku 4 à gauche. Ok, je me souviens absolument pas de leur de ce qu'ils font tous a priori, donc c'est comme si je redécouvrais les 20, j'ai envie de te dire. Alors du coup on va faire quoi, on va mettre le Gogeta là tranquillou, hein, alias The Knucker on the floor. Et puis là je pense qu'il y a moyen que T1 il crève. Alors j'espère qu'il n'y a pas un des boss qui est dans le boss rush justement qui me casse les bonbons et que, dont il aurait fallu quelqu'un de spécial pour le down. N'ayant pas regardé, je découvrirai ça avec tristesse si c'est le cas. Alors on va mettre les deux Gogeta aussi ici. On va se faire ça, Par contre, on n'en parle pas assez, mais alors ce Gogeta puissance qui a pris son ZTUR, c'est un gros, mais alors un gros cochon. Il envoie des patates du Turfu, c'est assez vénère pour le coup. Et Gogeta 4 qui envoie sa petite attaque d'ailleurs. À quand un nouveau Gogeta 4? À mon avis, soon, hein, Mais on need. Évidemment, je te l'ai pas demandé, mais c'est le moment de lâcher ton plus beau pouce bleu si c'est pas déjà fait. Si t'es content de revoir un petit peu de Dokkan Battle, du gameplay sur la chaîne, pense aussi à t'abonner si tu passes par ici, évidemment, et à me suivre sur les réseaux sociaux. Si tu as quelques minutes à m'accorder, tu peux aller faire un petit tour sur mon YouTube dans la description. Ça te permet de regarder quelques petites pubs et de me faire gagner un tout petit peu d'argent pour que je puisse prendre un pack ou deux à la fin du mois. Et puis voilà, merci à ceux qui le feront. Et donnez-moi votre avis sur ce nouveau boss rush. Est-ce que pour vous il est trop facile, pas trop facile, etc., etc. Pour l'instant, ce Mirai Gohan ne nous oppose aucune résistance avec notre team. Alors faut savoir que j'ai pas droppé de perso Dokkan Fest depuis... Eh bien depuis très longtemps les gars, je me souviens même pas. Peut-être que parmi vous il y en a qui vont se souvenir du dernier Dokkan Fest que j'ai droppé sur Dokkan Battle Jap. Eh bien ça fait un bail, genre vraiment un bail, donc j'espère que la vidéo invocation me permettra de dropper enfin un nouveau Dokkan Fest, hein, en l'occurrence Zamas, que je veux absolument. J'aurais peut-être pu mettre Gogeta Blue en fait, c'était peut-être une erreur de ma part, j'ai joué trop vite, c'est pas grave, qui sait, peut-être que je prends une SP, Gogeta 4 il va l'esquiver. Par contre là en auto on va prendre 20k quoi, là, si j'avais mis Gogeta Blue on aurait pris moins, je pense. Allez, c'est pas grave. On va voir. Attends, par contre, il a au taquet de barre de vie, le petit Mirai Gohan, là. Voilà. Et on n'esquive pas, évidemment. Évidemment, on n'esquive pas, Never Lucky, hein, j'ai envie de te dire. Tu crois, c'est quoi? C'est 50% de chance d'esquive avec Gogeta 4? Bah, avec moi, c'est 0% de chance, tout simplement. Allez. On va voir combien de fois Gogeta 4 va esquiver une attaque SP, s'il en prend plusieurs dans la vidéo. À mon avis, ça va pas être vénère. Ok, deuxième attaque. Du petit Gogeta Blue, j'ai pas vu si c'était le mien ou si c'était à mon avis c'est celui de l'ami leader parce que le mien n'a pas de doublon. Ah ben voilà, ben en fait je suis en train de réfléchir. La dernière fois j'ai droppé un Dokkan Fest, eh bien c'était le double Dokkan Fest, Gogeta Blue, Broly. Voilà, depuis je n'ai plus droppé de Dokkan Fest. Depuis ces deux beaux gosses. Donc ça remonte quand même, hein, un petit moment. Hein. Oh, tu me déçois Gotenks, envoie une grosse patate, voilà. Là c'est mieux déjà. Là c'est mieux mon frérot. Bon déjà là tu sens qu'on prend un peu plus de dommages. Que tout à l'heure, forcément, on est à la dernière phase. Même si là, le Gogeta va mettre un terme à la vie de ce petit Mirai Gohan. D'ailleurs, les portails, hein, les portails des deux nouveaux Dokkan Fest, les gars, eh bien, ils sont juste fous, quoi. Ils sont juste fous. Il y a tout un tas de personnages, d'ailleurs, que je n'ai pas. Globalement, sur le portail de Zamas, par exemple, le Black Goku, que je n'ai pas non plus. J'ai pas droppé, même s'il est pas foufou. Donc du coup, le portail est quand même assez intéressant, voire très intéressant,
pour moi en tout cas, et pour une grande partie des gens je pense. On attaque du coup avec Goku SSJ4. Ok, c'est lequel? C'est le tech je suppose. Je dirais. Alors, oh bah là ça va être ça. Instant. Ça va être ça. Et ça va être ça. Voilà, moi ça me paraît bien. Ça me paraît les bons bails. Alors, est-ce qu'on va le one turn? Je suis pas sûr. A priori, je suis pas sûr qu'on le one turn quand même. Même si on est avec le bon type là. J'en suis pas certain. 1,2 million. Ça va être juste. Ça va être juste. Sauf si un petit critique qui poke peut-être une double attaque. On va voir le Gogeta 4 s'il se vénère ou pas. Est-ce qu'il se vénère ou pas Gogeta 4? Il se vénère. 2,7 million sans critique. Tout va bien, hein. Tout va bien. Alors. Bon, ben là, ça va être pareil. Hein. Ça va être ça. Ça va être ça. Et on continue à augmenter notre Dokkan mode pour potentiellement le prochain boss. Ou peut-être pour le dernier Goku, je ne sais pas. A voir. En tout cas, pour l'instant, pas trop de soucis à noter, globalement. Sachant que, ouais, je n'en ai pas parlé, mais mon Gogeta Blue, donc du coup, il n'a pas de doublon. Et ce qui concerne les autres, ils sont bien membrés en termes de doublons, si j'ose dire. Après, ce sont des unités quand même qui datent. Hein, le Gogeta puissant, ça fait 6 siècles. Je pense que tout le monde l'a 100% ou presque. Le Gotenks Endurance, c'est pareil. Le Gogeta 4, c'est pareil. Donc on est là face quand même à des unités qui sont sorties il y a un bail. Donc c'est normal que j'ai pas mal de doublons là-dessus. Alors on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Voilà, on a l'air de bien s'en sortir ici. On devrait tuer 3 persos sur 4. S'il y a une attaque supplémentaire, c'est le moment d'esquiver. J'ai été mauvaise langue. Et ça critique en plus derrière. J'ai été mauvaise langue. Merci Gogeta. Merci, merci. Bon, j'aurais préféré que t'esquives tout à l'heure parce que tout à l'heure on a pris quand même Bagdad en termes de dommages. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je te pardonne. Donc du coup, on va... Ah, mais non, du coup, c'est la merde. Ah non, c'est pas la merde. On va... Là, t'aurais pu esquiver par exemple, tu vois, Gogeta. T'aurais pu réesquiver. Normalement, on tue tout le monde du coup, sur ce tour. Donc du coup, on gagne énormément de temps. Qu'est-ce qu'elle est belle cette spé d'ailleurs. D'ailleurs, les deux spés des nouveaux personnages sont vraiment réussis comme toutes les spés depuis un grand moment sur Dokkan Battle. C'est vrai. En revanche, on peut toujours... Il n'est pas mort. Tristesse, ça, quand même. On peut toujours s'interroger sur la difficulté du jeu. Avec la sortie des cartes, toutes plus pétées les unes que les autres, entre Kel et Cauliflower, entre Trunks et Gatai, tous les persos là qui sont sortis récemment, sont globalement tous over pétés. Donc du coup, je ne sais pas trop quoi en penser. Alors là, pour le coup, je pense que je vais... dans tous les cas, je suis niqué. Dans tous les cas, je suis niqué. Du coup, c'est la question qui va coûter 3 milliards. C'est est-ce que je prends un item ou pas? Parce que si je prends une spé sur le Gogeta Blue, on va parler hébreu, je pense, les gars. Après, on a 240 000 HP, quand même. Globalement, on est quand même assez safe. Globalement, on est quand même assez safe. On y va. On prend la spé sur le Gogeta Puissance. 240 000 HP. On va tomber à combien? Ah! 143 000. Très bien. J'espère que les auto-attaques vont pas nous tuer. 1,4 million. Ouh, il repart en spé. Oh lolo. Oh lolo. Oh lolo lolo lolo. Mais les dommages qu'il a mis, putain. Attends, ça serait vraiment ballot qu'on meurt là. Ça serait vraiment ballot qu'on meurt avec les deux autos qu'on va prendre sur le mauvais type. Oh, t'es sérieux? Ah, ça va. Ça va, ça va. Et on le one turn. Assez incroyable. Hein. Assez incroyable le Gogeta puits, les gars. Vraiment, c'est un délire le dommage qu'on lui a mis. Hein, c'est un délire atomique. On lui a mis deux fois combien? Deux fois 1,4 million ou deux fois 2,4 million, je sais plus. Insane, insane, insane. On passe du coup à C17. C17, C17, ok. On va voir ce que ça nous donne. Et il me semble qu'après c'est Freezer et Goku multiforme pour terminer, hein, si je te dis pas de conneries. Alors là, globalement, je pense pas qu'on va... je pense pas qu'on va qu'on va utiliser un item. Pourquoi? Parce qu'on va, utiliser le Rising Rush, j'allais dire. Si tu m'as compris. On va utiliser le... Sérieusement? On prend une spé direct. 38 000. Attends, on joue avec le feu de ouf. Hein. On va utiliser le Dokkan mode sur le bon type, donc ça devrait le faire. On joue avec le feu. Il nous reste 45 000 HP, hein, une connerie. Hein. Mais normalement, ça devrait le faire. On en reste 45 000. Il ne les mettra pas en auto.
Je pense pas. Et nous là on devrait lui mettre une grosse baffe. Peut-être pas le one turn, mais faire beaucoup de dommages. Si on fait un critique peut-être. Ouh, 4 millions 3. Mais si si si, on l'a totalement one turn. On l'a totalement one turn. Et on s'est régène full HP. Ça c'est bon ça. On va mettre le Gogeta ici. Au cas où. Au cas où. On va faire ça. Et on va faire ça. Bon, évidemment, on va prendre l'aspect sur le premier, hein, on le sait tous. Et ben non, ça va. J'ai été mauvaise langue. On va voir si le Gogeta puissance va de nouveau faire parler la puissance. C'est le cas de le dire. Ça, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour un boss rush. J'ai l'impression qu'on retourne il y a un an et demi en arrière sur ma chaîne. Ça me fait bizarre. Allez, bim. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Ce Gogeta Puy, c'est un délire, ce ZTUR. C'est pas le meilleur, pour moi le meilleur c'est Janemba, mais il est pas loin quoi. Il est clairement pas dans le bas du tableau. On va peut-être faire ça. Ah non, ça marche pas. Ça marche moins bien. Ouais. On va faire ça. Et on va faire ça. Dommage, on a pas pu partir en SP max avec notre LR. Mais au moins on va bien tanker. Ah mais ouais, mais attendez là, on va se taper contre ses 17. Ses 17, il a une bulle. Il a une bulle et je sais plus comment ça se passe pour la transpercer. Je ne me souviens plus, c'est que les attaques automatiques. Ou c'est que les attaques physiques un peu comme je sais plus quel boss. Merde. Je crois que le seul qui est capable de faire ça, c'est qui? C'est Gogeta Blue. Ah ça compte Gotenks, ok, Gotenks ça compte aussi, nice. Voilà, en plus c'est pas le boss final, du coup c'est chiant. Le Gogeta Puy, je me souviens plus s'il fait. De toute façon, on va le garder dans la rotation ici présentement. Ça fait chier hein, parce que si c'est ici, il y a que Gogeta Blue. On est sur le mauvais type donc ça nous arrange pas vraiment, hein, je te cache pas. Mais genre vraiment pas quoi. Donc là, ouais, on va start. Ok, donc Gogeta Blue ça passe. Gogeta Puy de tête. Je me souviens plus, je crois que oui. Ça nous arrangerait fortement pour le coup. Et du coup, Gotenks aussi. Il va falloir faire gaffe. Gogeta 4, c'est dead. Ok. Alors là, bah du coup, globalement, on est baisé là. Sur cette rotation, on est totalement Ken. Parce que aucun des... ah non, là, on peut taper, je crois. Là, je crois qu'il a pas encore sa bulle. Bon, je sais plus, on va voir. En tous les cas, il est full HP, donc au pire, ça va pas nous handicaper de ouf. Pour le coup. Allez, voyons voir. Si on pouvait prendre une SP et l'esquiver avec Gogeta 4, ce serait cool. Ok, bon, du coup, comme ça, on va lui bloquer l'aspect. À moins qu'on puisse pas bloquer cet aspect, j'ai pas fait gaffe. Donc là, on peut le taper, je crois que c'est à partir du moment où il a la bulle. Ouf. Et Gogeta 4, il est vénère. Gogeta 4, il est vénère de ouf, les gars. Mais genre de ouf. On en parle plus assez, mais... Ouf. Oh là là. Oh, il a mis 1,5 million, 1,6 million. Il a mis 1,5 million, 1,6 million. Il a dit, non, moi, j'ai pas le temps. Moi, non, j'ai pas le temps. Faut qu'on termine la vidéo vite, tu sucres, pour qu'on aille faire les invocations. Donc non, moi je décide de tout shot le boss. Passons à Goku multiforme du coup. Ok, on va faire ça. Oula. Mon petit doigt me dit que Gogeta puissance va taper vénère. Mais vraiment vénère. Là ça risque d'être assez violent. Ok. Gogeta Blue. Vas-y. Ike Gogeta Blue. 1,2 million. Est-ce qu'on va nous laisser le temps de taper avec le Gogeta puissance? Eh oui. Alors attention, attention les yeux. Ça risque de piquer. 1,7 million. 1,7 million. Une unité qui date d'il y a quoi? 3 ans? Connerie comme ça? Peut-être même plus. Alors là, bon, immédiatement, hein, on va mettre Gogeta 4 ici. Gogeta Blue ici. On va continuer à nous prendre les boules de Kino de couleur. Alors, on arrive à l'avant-dernier boss de ce boss rush. On a utilisé 0 item et on est full life. Donc, a priori, je suis pas parti avec Goku LR, Vegeta 4 LR. Je les ai pas, donc je peux partir avec eux. Mais du coup, voilà quoi. On est quand même pas sur de la grande difficulté pour le moment. J'ai pas une team des toutes premières fraîcheurs, hein. C'est quand même une team avec beaucoup d'anciens personnages. Donc globalement voilà. On va faire ça. Ah dommage. Putain, on n'a pas réussi à partir une seule fois en SP max avec les LR. Peut-être une fois.
Donc bon, je sais pas, peut-être qu'on utilisera un item avant d'ici la fin, hein, je sais pas, mais on a failli au début, on a joué avec le feu, c'est passé. On aurait peut-être pu prendre un item en début. Ouais, je pense que si tu pars en plus en team Potara, c'est encore pire, encore plus simple, je pense. Voilà, les dommages sont assez insane, on leur met des... Oh, ouais, c'est scandaleux quand même. C'est assez scandaleux les dommages qu'on met. C'est assez scandaleux les amis. Ouais, on va faire ça, easy peasy. On va prendre tout ça, parce que je peux. Et dommage que là on n'ait pas Gogeta puissance, parce que là ça aurait été la folie. Mais bon, ça va piquer là. Ah, au Gogeta 4 il va être vénère. Gogeta 4 il va être vénère. Imaginez un Gogeta 4 LR les gars. Imaginez un Gogeta 4 LR. Ça pourrait être assez violent quand même. 2 millions de dommages en critique. 2 millions. Les boss, c'est simple, depuis tout à l'heure, les boss, ils font un tour. Je crois qu'il y a quasiment. Il y en a peut-être un ou deux qui ont passé le cap des un tour. Mais globalement, tous les boss que je fight depuis tout à l'heure, ils prennent un tour. C'est assez insane, pour le coup. Peut-être que là, avec le nombre de PV qu'il a, ça va pas prendre un tour. Ah, transformation Gogeta Blue! Aïe aïe aïe! On dirait qu'il est mono-sourcil comme ça, non? C'est moi ou on dirait qu'il est mono-sourcil, le frérot Gogeta Blue? Bon, là, on prendra pas un tour. Là, on prendra pas un tour. En revanche, on va prendre tout ça pour le frérot Gogeta puissance. Et on va faire ça. Voilà. À skip, tu peux esquiver. Hein. Voilà. Et là, bim, ça va taper sévère. Regardez-moi cette spé. Qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi ça. Et bim. 1 million 2. Merci. Hein. Ouais, on a pris beaucoup de dommages là. Allez, Gogeta Pui! Va-t-il taper plus fort que Gogeta Blue? Et il tape au même puissance quand même. On a tapé exactement pareil avec Gogeta Blue et Gogeta Pui. Faut le dire quand même. Ah! On peut pas bloquer l'aspect, on prend l'aspect sur le dernier. Hashtag le karma, j'ai envie de te dire. Voilà, on prend une patate du Turfu par contre. 112 000 on a pris. 112 000 on a pris. Il a vraiment tapé sur le pire qu'il pouvait. Hein. Franchement. Il a tapé sur le pire qu'il pouvait. On va faire ça. On va faire ça. Mais bon, on va tellement se régène là avec une boule de ki, regardez. Hop. C'est limite comme s'il nous avait. Ah, mais on part en Dokkan mode. Hein, merde, le con. J'ai même pas vu qu'on partait des gens en Dokkan mode, les gars. Bon. Ok. My bad. Putain, on la proc vite, merde, le Dokkan mode. Non, mais. J'ai fait trois boules. C'est terrible. C'est terrible, on a fait le 3 boules alors que ça allait à la vitesse de mamie qui traverse la rue. C'est terrible. C'est terrible. Allez, du coup, on termine avec le Goku multiforme et on va attaquer le Freezer multiforme, le dernier de ce boss rush. Comment il s'appelle? C'est le boss rush 8, je crois. 8 ou 9, je ne sais plus. Je ne sais même plus à combien on en est. Et donc, du coup, dernier boss. Aucune difficulté à noter concernant cette event. Voilà, je pense que vous partez en double Gogeta LR, ça passe aussi. Vous partez en double Végéto LR, ça passe aussi. Je suppose qu'en double Goku SSJ 4 ou Végéta 4 LR, ça passe encore plus. Enfin bref, globalement, je pense que quasiment toutes les teams passent cela sans encombre. On va faire ça et on va faire ça. Voilà, pour le frérot Gogeta. Et derrière, on fait ça. Et il est one turn là. Il est one turn, hein, instant, hein. Allez! Ich, ich! Ok. Petit critique ou pas? Non, pas critique. Tout bad. Et là, il est mort. Là, il est mort. Hein, là, quand tu vois Gogeta Pui qui arrive sur toi comme ça. Quand tu vois Gogeta Pui qui arrive sur toi comme ça, tu sais que tu vas passer un mauvais moment. Ça va être compliqué. C'est la fin des haricots, comme on dit chez nous. Ah, par contre, il y a des chances qu'on le one turn pas pour le coup. Il y a des chances qu'on le one turn pas pour le coup parce que là on va manquer de DPS, je pense. À moins qu'il y ait un critique qui tombe, je ne sais d'où. Ou une double spé peut-être. Mais normalement on ne devrait pas le one turn ce petit freezer deuxième forme. À moins que je sous-estime mes unités qui vont me dire: mais non, Susuke, regarde, ne me sous-estime pas, je suis là, je suis présent. Et je mets un 980 000 sur le mauvais type. Enfin, même s'il n'y a pas vraiment de mauvais type avec Gogeta du coup. Ok, non, on va le one turn en fait. J'ai été. Je vous ai mal jugé mes unités, je suis désolé. Je vous ai mal jugé. On le one turn aussi, effectivement. Ok, on passe au Freeza Lilian. Le Freeza Lilian, évidemment. Oh, on le connaît. Ah, ça me fait chier ça.
On va plutôt faire ça du coup. On va plutôt faire ça du coup. Totalement. Et là. Et là, et là. On part en spé max normalement. Hop là. Et lui aussi va prendre son one turn. Alors là, si le Gogeta appuie, il envoie 2 spé. Peut-être que même lui tout seul, il met fin à la vie de Go. De... Ah non. On prend une spé nous par contre. Combien on va prendre? 77 000. Pourquoi pas? Ça nous met peut-être un peu en danger. Bon, c'est pas vrai, mais. Faut faire genre, faut faire genre. Allez, Gogeta Blue! Enfin, Gogeta SSJ. Ah, sérieux, mais une attaque spé pour terminer. Genre, une petite attaque auto, tu vois. Ne me fais pas gâcher du temps pour une spé de. Du LR. Ok, next! Freezer Final Form, puis après Freezer Golden, Golden Freezer. Et on en aura terminé. Oulala, ça va être compliqué aussi. Oulala, on risque de prendre des dommages là. Ouh, est-ce que c'est pas maintenant qu'on va utiliser notre premier item? Je ne sais pas, les amis. On a 357 000 HP quand même. Hein. Ah, on a 357 000 HP quand même. Faut pas déconner. On va prendre des boules de ki pour ce raise. Si t'esquives, c'est bien. Voilà. Bon, du coup, on est encore plus serein là. Pas de critique. On est encore plus serein. Sans sous-sail. Si ça critique ou double SP, il y a moyen de one turn. Sinon, il faudra attendre au tour d'après. Allez! Pas de critique, pas de double SP. Il va résister. Il va résister, le bougre. Bravo à toi, Freezer. Je suis fier de toi. Tu es l'un des seuls sur ce boss à avoir résisté. Ah, quoique, c'est pas fini. C'est pas fini. Très bien. Pas du tout, Freezer. Pas du tout. Ah, voyons voir si Golden aura plus de chances de résister et de ne pas se faire one turn comme tous depuis tout à l'heure, ou quasiment. Hein. Juste au début, je crois, il y en a un ou deux, ils n'ont pas été one turn. Alors, oulala, ça risque de... Ah, on risque de prendre cher aussi, là. Là, tu vois, je suis pas si serein que ça de pas prendre d'item. Je suis pas si serein que ça, mais on va essayer pour la beauté du geste. On va essayer pour la beauté du geste de... Continuer sans item ce run qui se passe, ma foi, fortement bien. Donc on va y aller sans item. On va y aller sans item, les gars. Allez, on continue. C'est greedy parce que si je perds là, je vais avoir le seum de tout refaire. Oh, 1,5 million. Après, bon, là, on a Gogeta Blue. Donc globalement, si on prend une spé sur lui et qu'il l'esquive pas, c'est vraiment qu'on s'est fait karmater. Hein. Faut se le dire quand même. Vraiment, c'est le karma à son paroxysme. Ouf. Voilà. Et voilà, c'est le karma à son paroxysme. Donc, on n'esquive pas. Ah, j'ai trop parlé. J'ai trop parlé. C'est bon, on a esquivé. On est serein. On est serein. Si tu fais une double SP, on peut peut-être faire quelque chose. Non, dommage. On a failli le one turn aussi, le Golden Tech. Ça s'est pas joué à grand-chose. C'est joué à une attaque, à une double attaque. Ou à un critique du Gotenks qui est 100%. Hein, mon Gotenks SSJ. Dommage. Dommage, dommage. Et puis bon, là, ça va être la fin de l'haricot. Voilà, c'est fini. Là, c'est terminé. On termine et on aura clean ce nouveau boss rush sans l'utilisation d'aucun item et sans aucune transpiration. Bon, peut-être un peu au début parce qu'on a joué avec le feu. Mais globalement, vraiment totalement facile ce nouveau petit boss rush. Donc on va récupérer nos Dragonstone et puis on va aller invoquer. Alors tu auras peut-être vu la vidéo invocation au moment où tu verras cette vidéo. Je ne sais pas comment je vais m'organiser en termes de sortie de vidéo. En tout cas, si l'une est sortie, va la voir. Si elle n'est pas sortie, eh ben tu vas la voir quand elle sortira. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, donne-moi ton avis sur ce nouveau boss rush. Lâche ton pouce bleu si ça te fait plaisir de revoir un petit peu du Dokkan Battle sur la chaîne hors invocation et Random Rush. Et évidemment, abonne-toi, Rod tous en cas. On est chaud, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, biscuits love peace et ciao.